Oh le rageux! Oh regarde Ethan, comment elle est jolie la meuf! Mais viens que gros! Ah, t'inquiète, je vais liker. Elle est dans le top des tops. Carrément. Sinon tu pensais faire quoi comme métier plus tard? Ouais, je pense plus chaudronnier quoi. Oh tu vas fabriquer des chaudrons. Hein? Oh mon lit. Wow. Il est passé où? Oh. Moi je suis où? C'est un garage? Il y a des motos et tout, ça pète. Oh là, ça va, tranquille sur ma moto. Et là, c'est toi qui es le dernier chaudronnier? Ah bah... oui, c'est moi. Ah viens, je vais te montrer. La chaudronnerie, c'est quoi à ton avis? Je sais pas. En fait, tu fabriques des pièces en métal. Tu vois? Ouais. Donc là, ici, on va positionner un tirant de pont. D'accord? Ouais. Il faudra que tu soudes. T'es prêt? Ouais. Allez, plus long encore. Alors? Facile? C'est pas très facile, il faut être précis. Ouais. C'est dur? Ouais. Et du coup, c'est quoi les inconvénients de ce métier? Alors, tu travailles dans le froid. T'es toujours sale. À côté de ça, tu fabriques tout ce que tu veux. Tu peux fabriquer tout ça, tu peux travailler dans le naval, l'aérospatial, alimentaire, pharmaceutique. Quelle sorte d'engin? Tu veux que je te montre? Ouais. Ouais. Ça, c'est une ancienne moto de police. Une ancienne moto de police? Ouais. Ça ressemble pas. Hein. Donc on a fait un café racer. C'est-à-dire qu'on a modifié la moto pour l'alléger. Donc on a retravaillé le bâti complet à l'arrière. On a coupé la moto en deux. Donc, toute cette partie-là est faite à la main, en acier. Donc ça reste de la chaudronnerie, mais sur une moto. Et on peut construire n'importe quelle pièce. On a délocalisé l'amortisseur pour lui donner un côté un peu plus monstrueux, on va dire. Tout est fait à la main, de A à Z. Tout. Tout. Ça claque? Ouais, ça pète. Ah ouais, ça pète. Et vous, vous en pensez quoi?